peu simple. Pourquoi avoir choisi Bastia? C'est facile, c'est un club mythique qui est même réputé jusqu'au Luxembourg. Donc quand il y a eu le contact avec le coach et le président du club, pour moi c'était très vite clair de venir ici et faire l'essai. Puis il y a la question de fiche de poste, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur internet vous concernant votre poste sur le terrain. Dernièrement vous jouiez plutôt sur le côté droit de la défense, c'est maintenant votre poste, c'est ça? Ouais, moi vraiment là on m'a pris aussi comme latéral droit en défense de 4 ou comme piston. Donc en sélection en fait j'alterne les deux, je peux jouer comme latéral droit et comme piston, c'est mes postes. Après, donc là, vous arrivez dans un effectif qui tourne bien en plus, avec 2 victoires récemment. Ce match de coupe, pour vous, c'est une bonne façon de débuter avec le Sporting Club de Bastia, parce que ça reste quand même autre chose que le championnat au final. Ouais, mais ça reste un match important pour le club. Donc si c'est en coupe ou en championnat, voilà, là, je peux jouer pour la coupe, ça va être le premier match pour moi, mais voilà, les objectifs, c'est très bien de passer en coupe comme de prendre des points en ligue. Le championnat de Ligue 2, c'est un championnat que vous connaissez, vous avez souvent regardé le match du championnat de Ligue 2, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, je connais très bien le championnat, comme au Luxembourg, on est très rapprochés à la France, à l'Allemagne et à la Belgique, donc c'est clair qu'on suit aussi les ligues qui sont à côté de nous. Donc je connais la Ligue 2, je suis à moitié français aussi à cause de mon père. Donc voilà, je peux vous dire que je connais la Ligue 2, je connais le championnat et les équipes, et ça va pas être tout nouveau non plus. Vous arrivez dans une équipe où votre concurrent, qui est entre guillemets, parce qu'il est dans Kharkov, il a quand même la particularité d'être passé par le Luxembourg, par le championnat du Luxembourg. Justement, est-ce que vous avez une discussion en particulier avec lui par rapport à la différence, lui qu'il a vu sur le terrain, entre le championnat de Luxembourg et le championnat de Ligue 2? Ouais, quand je suis arrivé, donc j'ai un petit peu discuté avec lui sur tout ça, comme il était au Luxembourg aussi. On a un petit peu parlé en fait de la différence du championnat luxembourgeois et de la Ligue 2. Et voilà, il a fait des très bons matchs ici depuis qu'il est arrivé. Donc il pouvait bien me donner quelques astuces pour que ça marche aussi pour moi. Puis bon, je reviens sur Bastia. Vous dites on connaissait Bastia depuis le Luxembourg. Souvent, on entend les joueurs dire ça, mais qu'est-ce que vous connaissiez exactement de Bastia? Déjà, je suis déjà venu en Corse, donc je connaissais déjà la Corse. Je savais ce qui m'attendait avec un public voilà, qui est derrière son club. Et on connaît Bastia aussi des temps de la Ligue 1, donc c'est pour ça en fait. Mes parents en plus, ils sont de la Côte d'Azur aussi, ils habitent là, donc c'est pas que je connais pas du tout... en fait, ce qui m'attendait ici. Donc voilà, je suis pas arrivé dans le froid non plus. On imagine forcément que vous avez l'envie de découvrir Fourian et son public. Notamment. Bien sûr, bien sûr. J'avais la chance de participer au match depuis les tribunes contre Valenciennes. Et c'était vraiment immense. En plus, avec une victoire de l'équipe, franchement, ça donne très, très envie. Et depuis que je suis là, les 2 semaines, j'attends vraiment de pouvoir jouer et découvrir ça après. Alors, vous n'avez pas encore eu le temps de disputer vos premiers minutes en Ligue 2, mais vous avez un peu suivi le championnat. C'est quoi la différence entre le championnat du Luxembourg et la Ligue 2? Il y a des similitudes ou ce sont deux compétitions qui n'ont rien à voir? Similitudes dans le combat, dans le physique, je veux dire. Après, j'ai pas joué encore en Ligue 2, mais ce que j'ai vu, la différence, c'est quand même l'intensité. L'intensité, vraiment d'aller dans tous les duels, dans toutes les courses. Je pense que c'est quelque chose que je connais avec la sélection, mais que voilà, j'ai pas fréquenté en Ligue luxembourgeoise à tous les week-ends. Donc c'est vraiment l'intensité dans tous les déplacements, dans tous les voilà, on va dire dans tous les duels physiques. Et donc c'est ça en fait la différence que j'ai pu voir depuis les tribunes contre Valenciennes. Et puis cet été, vous aviez déjà connu un peu les entraînements sous Ligue 2, puisque vous aviez été à l'essai du côté de Guingamp, il me semble. Non, je n'étais pas à l'essai à Guingamp. Non, je t'ai pas laissé à Guingamp, c'était juste qu'il y avait le contact, mais jamais eu... Mais en tout cas, la Ligue 2, pour réembrayer sur une question, c'était vraiment un objectif pour vous, puisque vous avez eu donc ces contacts avec Guingamp. Ouais, bien sûr, la Ligue 2, depuis que je suis arrivé au Luxembourg, c'était vraiment la Ligue ou la France que je voulais me tourner. Comme j'étais en Allemagne, j'ai passé pas mal de temps en Allemagne, je voulais passer aussi par un autre championnat. Et quand il y a eu le contact avec Bastia, c'est pour moi très sûr et très clair que je voulais faire ça. Et donc voilà. Vous êtes international, quels sont les rendez-vous pour l'équipe du Luxembourg cette année? Là, qui vont arriver? Oui. Là, on joue les qualifications avec le Luxembourg à partir de mars. Pour
Donc ouais, donc on est dans un groupe que voilà, pour nous on a nos objectifs, et on va jouer en fin mars, en juin, et après ça enchaîne dans la nouvelle saison. Vous avez parlé de votre passage en Allemagne, au niveau du football, ça vous a beaucoup apporté, on imagine, dans Oui, le physique, la structure aussi, la discipline que les Allemands y mettent en place, c'est quelque chose qui m'ont beaucoup aidé, qui m'a formé aussi, donc j'ai un petit peu eu la formation allemande, et je peux vous dire que j'ai passé 8 années là-bas, et c'est de la très très bonne formation, et aussi du bon boulot qu'ils font, et voilà, mais pour moi c'était l'Allemagne, j'ai fait 8 années, et là je voulais découvrir quelque chose d'autre.